à la fois pour nous-mêmes comme pour la Russie, pour la sécurité de notre continent qui est indivisible. Nous avons besoin de ce dialogue. Emmanuel Macron a présenté les objectifs de la présidence française de l'UE le 19 janvier à Strasbourg. Au cœur de son discours, les tensions avec la Russie à la frontière ukrainienne. Nous devons, nous Européens, poser collectivement nos propres exigences et nous mettre le rejet du recours à la force, à la menace, à la coercition, le choix libre pour les États de participer aux organisations, aux alliances, aux arrangements de sécurité de leur choix, l'inviolabilité des frontières, l'intégrité territoriale des États, le rejet des sphères d'influence. Ce dont je parle, ce sont les principes que nous, Européens, et que la Russie avons signés il y a 30 ans. À nous, Européens, de défendre ces principes et ces droits inhérents à la souveraineté des États. À nous d'en réaffirmer la valeur et d'en sanctionner efficacement la violation. La souveraineté est une liberté. Elle est au cœur de notre projet européen. Elle est aussi une réponse aux déstabilisations à l'œuvre sur notre continent. C'est pourquoi nous continuerons. C'est pourquoi nous continuerons avec l'Allemagne, dans le cadre du format Normandie, à rechercher une solution politique au conflit en Ukraine, qui reste le fait générateur des tensions actuelles. Et votre soutien collectif est nécessaire pour appuyer nos efforts.